get it. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout out to my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock and keep. Là, mon Puggy, c'est reparti. Eh ben c'est reparti. Dernière ligne droite avant d'aller faire un tour. Donc dans le dernier épisode, je l'avais démarré. Après là, j'ai fait pas mal de choses que j'ai pas filmé, j'avais pas envie. Et rien d'intéressant. Voilà, j'ai rempli le liquide de refroidissement, réglé les freins, tout ça, machin. Là, je m'affaire à faire un lanceur. Comme je n'ai pas de kick et que j'ai pas envie d'en acheter parce que ça coûte une blinde. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Il va falloir que, bah normal, hein. Faut que je bidouille un peu plus. Tu me diras, c'est hyper simple comme système, ça va péter. Je ne crois pas. Il y a un copain Mike Brank sur CR6 qui a fait ça. Ça fait un an que ça tient très bien. Donc pas besoin de faire de platine, de machin, de trucs. J'ai fait des choses comme ça, mais en fait je m'aperçois que... Je parle beaucoup. Hein. Je m'aperçois que ça tient juste en fixant ce truc là-dessus. Donc ensuite il va falloir créer une sorte de rocher en fait pour que ça s'accroche là-dedans et ça tourne. Mais il y a encore du réglage à faire. Bref, le lanceur. Puis après on passera au kit déco. Je vais peut-être demander à madame de poser le kit déco parce que moi je suis pas bon là-dedans. Je suis pas du tout méticuleux. Allez, un petit peu mieux déjà là comme ça. Mieux, on verra quand ça démarrera. Mais premièrement, claque. Hop, je te mets là. Voilà. Maintenant, il va falloir que voilà, je fasse un rocher là-dedans. A tout de suite! Parler en même temps, parce que bon, je vais juste faire une compile de ça. Et vous n'êtes pas obligé de filmer. Non, parce que le ménage sur la mob, c'est bien. Le ménage dans la maison. Mais le ménage dans la maison, c'est bien aussi. C'est mieux. C'est comme ça. Du coup, vraisemblablement, d'après ce que dit la photo, ce serait comme ça. On ne peut pas se fier à la photo, à mon avis. Hein. Si, je pense qu'il faut se fier à la photo. Ah si, non, mais ça me l'air bien comment tu poses. Mais du coup, c'est au bout du bout. Parce que sinon, le... Alors, regarde sur la photo, c'est au bout du bout. Ouais. Tu sais. En plein stickage, du coup. L'opération la plus importante. Ah oui. De la custom. De la mobilette. Ah voilà, tu me stresses, fais de la merde. Ah bah, j'arrête de filmer, alors. Comme une chef. On a quand même dû avoir recours aux sèche-cheveux. D'où ce que je disais, tu vois, je n'ai pas l'objectif. Le faire à température ambiante, c'est vraiment important, parce que sinon, ça aurait été encore pire. Ah là, tu réussis plus en one shot, hein, quand même. Hein. Ah, ça y est, t'as commencé à te faire la main. T'as une bulle, là. J'ai une merde, là. Ah. Ça filme du coup. Du coup, malheureusement, je m'aperçois que c'est pas exactement la même couleur que la peinture. Je pensais avoir vu juste. Il y a quand même une petite différence. Je sais pas si
au loin, on voit la diff à l'écran. Un petit peu, ça fait un peu orangé. Ouais, voilà, de près. Mm-hmm. Ça fait un peu orangé. Alors après, je sais pas si d'origine on était de cette couleur-là ou de celle que j'ai choisie. Mais ça fait une petite diff. Je pense qu'en plein jour, comme ça, on verra ni vu ni connu, on n'y verra rien. Et puis de toute manière, tu me connais. Bon et puis, ce qui est fait est fait, ça fera mal. Ouais. Je suis pas puriste et tout, mais vraiment le fait de quand même acheter le kit déco, voilà, tout mettre bien sur la pelle et tout, ça rend quand même le truc, tu te dis ah putain, même si ça vaut 60 balles, faut le faire quoi. C'est, pour moi, tout de suite la moulette a pris une autre dimension, waouh, c'est mieux quoi, il faut le faire. C'est vraiment bien. Donc, je suis content, on va voir la suite, faut pas que je me foire sur le reste du collage. Et bon, vas-y, la fille demande à s'occuper. Madame, va dans ma chambre. Ah, il est concentré le plus. Hein. Voilà, c'est posé. Et donc, comme je disais à madame qui tient la caméra, je suis un petit peu déçu des couleurs, des stickers. Donc, je sais pas si c'est moi qui ai mal fait ma peinture. Pourtant, vraiment, je pensais que c'était rouge carmin. Quand je comparais aux photos sur internet, c'était la même teinte, c'est le même truc. Les stickers sont plus rouges. Tu disais, madame, le machin rouge. C'est plus orange, rouge prusse, quoi. Rouge prusse. Mais effectivement, de mémoire, enfin, c'était pas comme ça, c'était pas ce rouge-là. Est-ce que c'est les stickers, est-ce que c'est moi qui ai déconné? Je sais pas, peu importe. C'est posé, dans tous les cas, la mobilette est terminée. Il n'y a plus qu'à aller la tester. Et forcément, je vais découvrir 2-3 erreurs, 2-3 conneries que j'ai faites. Je vais devoir les reprendre. On démarre, allez dans le salon, 2-3. Et ben voilà les gars, qui l'aurait cru. Elle fonctionne la Brel, elle fonctionne, et là pour l'instant elle tient sa promesse. Même moi je le croyais pas, j'étais quasiment persuadé que j'aurais dû faire demi-tour, retourner à la maison parce qu'il y a des choses qui ne seraient pas allées, mais non, elle tient, ça fonctionne. Alors, évidemment, ça fonctionne pas de manière magique, il y aura forcément des trucs à revoir dessus. Premièrement, le pneu arrière, il est pincé dans la jambe, donc du coup... Quand je roule, je me tape le cul, mais ça c'est pas grave, faut juste le gonfler hyper fort. La carburation à re-régler, elle manque de puissance. Alors j'y vais doucement parce qu'elle est en rodage, mais on sent quand même qu'elle manque de puissance. Je pense que ça vient du carbu. J'avais acheté un carbu 15 SHA avec la vis de richesse. Je pense qu'il faut jouer là-dessus. Voilà, revoir 2-3 trucs. Je crois que mon avance à l'allumage est bonne dessus. Je l'avais fait manuellement, réglé à 1,4 avant point mort haut. 2-3 choses à voir, mais dans l'ensemble. C'est pas mal quoi, vas-y on fait le tour de la Brel là, je te montre un peu et je me suis chié sur une ou deux choses quand même, je suis déçu de moi-même, à refaire. Tiens regarde, je fais ma petite pub, ça te coûte 2 secondes, tu tournes l'écran pendant que tu regardes ma super vidéo, tu cliques sur s'abonner, c'est fait. Je te remercie beaucoup, toi ça ne t'a rien coûté et moi ça m'aide vachement. Bon pour commencer je pense que vous l'aurez tous remarqué, cette horreur, j'ai chié dans la colle, c'est le cas de le dire. J'ai mis de la fibre optique parce que je voulais un truc un petit peu tuning et tout pour la nuit. Ça rend vachement bien, mais alors je sais pas ce qui m'est passé par la tête au moment où j'ai fait ça. Et c'est abject, c'est vraiment vilain. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai le tableau de bord à refaire quoi, à faire un truc plus propre. Par contre, ça c'est cool. Une fois que c'est allumé,
c'est chamé. Et hop, j'ai glissé la petite télécommande, parce que ça marche à pile, qui est ici, on la voit à peine. Hop, et t'allumes et ça fonctionne, donc c'est cool. Le contour marche nickel. Ce compteur, j'en suis très satisfait. Tu l'allumes immédiatement, enfin, en très peu de temps, il capte le satellite, quoi. Les satellites, c'est un compteur de vitesse GPS, donc c'est vraiment cool. Ça évite de mettre des câbles et tout. Donc ça, c'est cool. Bon, les stickers, bien sûr. Alors, en vidéo, on le voit un petit peu, mais en réalité, on le voit encore plus, quoi. La caméra est gentille. Je te jure qu'on voit vraiment orange et rouge, quoi. C'est pas du tout la même couleur. Comme j'ai dit, tant pis, ça reste comme ça. On verra plus tard. Quoi d'autre ? Après, quoi d'autre ? Bah, écoute, dans l'ensemble, non, je suis content. Tout fonctionne, les feux fonctionnent. Le phare, j'en suis vraiment satisfait. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je m'attendais à avoir des fuites de liquide de refroidissement une fois que ce serait chaud, mais pas du tout. Ma connerie, c'est plutôt OK. C'est même très OK. Voilà, j'ai changé du coup le truc, la gaine de maison par autre chose. Parce que, encore une fois, ce que j'ai trouvé, bah, du coup, c'est du tuyau pneumatique. Je trouve que ça fait l'affaire. Ça va. Idéalement, ce serait mis en noir. Mais bon, à voir plus tard. Une mobilette n'est jamais terminée. Et sinon, bah, c'est bien tape-cul quand même, hein. J'avais oublié que c'était autant tape-cul, mais je préfère ça à une RCX où t'es trop sur les poignets, ça te fait mal aux épaules et aux poignets. Voilà, question de goût, question de choix. Quant à la position, voilà, les gens sont dans les commentaires, y en a qui trouvent ça tout à fait OK, il y en a qui me disent « Ah bah non, ta fourche, ça fait trop chopper ». OK, pas de problème, effectivement, c'est un point de vue, hein. Moi, je la trouve un peu haute, mais je trouve pas ça choquant. En tout cas, j'ai pas envie de mettre des bracelets pour diminuer tout ça. À voir plus tard. Encore une fois, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais pour l'instant, ça va rester comme ça. C'est OK. Je trouve les lignes OK. Et puis, voilà, hein, je vais pas me justifier 107 ans. C'est une réplique de MR1. Je fais avec les moyens du bord. Maintenant, on va passer aux finances. Combien ça a coûté ? Combien ça coûte une mob ? Bah, ça coûte une couille. Alors j'ai pris des petites notes pour savoir combien ça m'avait coûté cette saloperie. Donc j'ai acheté deux cadres pour avoir les bras oscillants, quelques pièces et tout ça, au total 400 €. Le kit déco 70 balles, les commandes, voilà, tous les consommables et plein de trucs, les pneus, les chambres à air, toutes ces conneries là, 287 €. Le haut moteur et le vario 90 €. L'allumage 50 balles. Une autre commande de consommables de trucs qui manquaient 50 balles. Pneus arrière 30, cartouches 30, peinture 50. Feu avant 25 € avec les frais de port, les deux compteurs et les écopes 70 €, le radiateur 10 €. Tout ça, je soustrais la vente du bras oscillant, parce que j'avais deux bras oscillants, du bras oscillant que j'ai revendu, une 100aine d'euros. Au total, cette mob m'a coûté 1010 €. Je trouve ça OK. Je m'attendais à dépenser beaucoup plus pour cette brêle. Après, j'ai eu le coup de main de 3 abonnés, donc je vous remercie encore. C'était sur des petites choses. Mais voilà, si tu trouves une épave avec les éléments les plus importants, notamment bras oscillants, bulle, une roue ou une paire de jantes, 2-3 choses comme ça qui sont vraiment importantes, bah déjà, ça diminue bien la note. C'est ça qui a déclenché du coup mon envie de faire la Magnum quand je suis tombé sur la première annonce. Je sais plus, ouais, c'était 300 balles. Et il y avait quand même la bulle, la roue arrière, le bras oscillant, bah tu te souviens. Hein. Je me dis, OK, là j'ai un bon départ. Parce que si tu pars de zéro, et tu achètes un cadre, un bras, une paire de jantes, un machin, là la note va vite monter à 2000 €. Quoi. Donc il faut avoir une base et puis après, petit à petit, tu achètes des trucs. Donc 1010 €, je trouve ça tout à fait correct pour une réplique. Encore une fois, hein, on n'est pas sur un vrai truc. Alors si c'était à refaire, par contre, j'aurais refait avec un cadre de MBK51 normal en fait. Parce que là, le fait d'avoir utilisé un cadre d'évasion, j'ai dû faire trop de bidouilles. Il y a encore des bidouilles qui se voient. Enfin, vous le verrez pas, mais moi je les vois et ça me gêne. Donc, pas à faire avec un cadre d'évasion ou de Magnum Racing XR. Voilà, je l'aurais fait différemment. Donc, que va-t-il se passer par la suite ? Bah, comme toutes les autres bécanes, on va continuer de la bricoler un peu, de l'améliorer, de voir. Une mobilette, c'est jamais terminé. Et puis, voilà. Et puis, vous la verrez lors des sorties qu'on organise, si vous avez le temps de me croiser, et puis il y aura des modifs, il y aura... Voilà, mais ça sera fait quand même assez vite. Donc, quoi d'autre pour la suite ? Bah pour la suite, cette bécane va rester comme ça. Après, évidemment, je vais la modifier, je vais l'améliorer, je vais changer 2-3 choses qui ne me plaisent pas au fur et à mesure. Voilà, avec le temps, une mobilette, c'est jamais terminé. On va essayer un petit peu de sublimer cette brêle. Les 2-3 étapes que j'ai entre guillemets ratées là-dessus, bah voilà, avec le temps, on va améliorer tout ça.
Mon objectif reste quand même qu'elle fonctionne et que je n'ai jamais besoin de l'ouvrir. Cette mob, je veux juste, voilà, peau, carbu, ça fonctionne bien, on n'y touche pas, on y touche le minimum possible. Et puis après, sur la chaîne, bah, tu me connais, il y aura d'autres projets, il y a une autre mob que je vais faire. Je vais en parler bientôt, j'ai commencé le projet, c'est une mob que je compte vendre en tombola. Et puis j'ai encore une fois, 10 000 projets dans ma tête, c'est loin d'être fini. Et puis vous aurez l'occasion de me croiser avec cette brêle lors de rassemblements, lors de sorties que j'organise, peut-être les Sons of Mob, plein de trucs. Vous aurez l'occasion de le voir et de vous rendre compte par vous-même de à quoi ça ressemble en vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette aventure sur la Magnum Racing vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, bordel de merde. Et puis c'est tout. Bonne semaine. Ciao.